Bonjour chers amis, comment nous y est? Moi, souhaitez que nous tous vous écoutez bien tout pour de Dieu. Nous dit bon Dieu merci parce que l'y réveiller nous matin, hein, l'y fait nous un l'autre jour. Nous allons commencer à vigile pour matin hein, en nous prier. Seigneur, nous disons merci pour grâce, pour bonté, pour l'amour. Merci Seigneur parce que tu protèges nous pendant la nuit là. Nous allons commencer à parole matin, on va parler à travers nous et tout petit tout va bénir au nom de Jésus. Amen. Vigile pour matin, nous jeûnons dans le livre Événements des derniers jours, chapitre 4. Nous allons continuer avec paragraphe 130, qui vient pour sous-titre Leur jalon biblique. Et jalon, capable, et livre dit, on marque, on signe, comme si on point de repère. Il y a un bagage qui est là pour capable bonne direction. Une série de grandes vérités bibliques. Li commencé pour dire que année 1844 li était chargé avec événements. Nous songe en 1844, yo t'a tande Jésus retourné en 1844, en automne 1844. Mais en 1844, c'était la purification du sanctuaire qui t'a fait parce que 2300 soirs et matin prophétie que nous jeune dans Daniel, les 2300 soirs et matin, et bien prophétie ça t'a prend fin en 1844. Et le sanctuaire sera purifié. Ça veut dire, depuis en 1844, il y a un nom qui a prêté, il y a un péché qui a effacé. Le jugement a commencé avec les morts. Et tout le monde qui te dit, il a servi bon Dieu, il a fait volonté bon Dieu. Et puis, qui n'a pas fait le vrai, bien, moun sa ou non a effacé. Non petit bon Dieu qui était fidèle y a prêté péché a effacé purification du sanctuaire la fête pour jusqu'à ce que yo pral rivé sur les vivants. Eh bien événement ça a commencé en 1844, c'était un gros événement qui était commencé en 1844 et qui gain rapport avec nous-mêmes peuple bon Dieu sur la terre. Parce que nous avons vivre dans les derniers jours, nous avons vivre dans le temps du jugement investigatif. Eh bien, en tant que peuple bon Dieu, nous besoin pour nous purifier, nous besoin pour nous sanctifier, nous pour nous préparer, nous voulons arriver sous nous, pour nous pas effacer, mais pour ces péchés nous qui effacer plutôt. Sanctifier nous, non seulement nous gagnons pour nous purifier, nous pour nous sanctifier nous en tant que peuple de Dieu, mais nous gagnons pour nous avertir le monde, pour nous abandonner mauvaise voie, pour nous repentir, pour nous garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Nous gagnons mission ça pour nous avertir le monde. Année ça tout, li mettait en évidence message premier ange là, deuxième ange là et troisième ange là. Et dans message ça tout, nous joignent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Si nous allons dans Apocalypse 14, côté que nous joignent le message des trois anges, dans message premier ange là, chapitre 14, Apocalypse 14 verset 7, il dit: il disait d'une voix forte, ça c'est premier ange. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Ça veut dire là, dans verset ça seulement. Il dit nous craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Craignez Dieu, comment craindre bon Dieu? Soit aller dans Ecclésiaste 12 verset 15, l'abdou comment pour craindre bon Dieu. Ecclésiaste 12 verset 15, il dit: écoutez la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit tout homme. Ou pas ka dou ou craindre bon Dieu et pourtant ou piétiner les commandements de Dieu, ou passer commandements de Dieu en bas pied. Ou a gagner pour kimber les commandements de Dieu. Craigne bon Dieu et garder commandement bon Dieu, yo marcher ensemble. Faut qu'ou obéissant. C'est comme ça oui qu'on va prouver qu'on gagne la crainte de Dieu. Faut qu'ou capable bien petit obéissant. Si on aller garder toujours dans Deutéronome chapitre 10. Deutéronome chapitre 10 verset 2, il dit: j'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Nous songe Moïse, il t'écrasé dit commandement yo pour tellement il était en colère, là le peuple a pas adoré faux Dieu. Il dit: j'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables
que tu as brisés et tu les mettras dans l'arche. Dit commandement yo, bon Dieu t'a bien pour réécrire encore et on t'a placé et commandement ça yo dans l'arche. Verset 4 là, il dit l'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les 10 paroles qu'il vous avait dites sur la montagne du milieu du feu, le jour de l'assemblée, et l'Éternel me les donna. Bon Dieu, li baye, et Moïse dit commandement yo, pour le capable mette yo dans l'arche. Dans verset 12, lors de ce verset 12, il dit, maintenant Israël, ça c'est Moïse qui a parlé avec le peuple, il dit, maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu si ce n'est que tu craignes l'Éternel? Nous là, faut qu'on craigne bon Dieu afin de marcher dans toutes ses voies. Lors où craigne bon Dieu, faut que on marche dans toutes voies li d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel, ça c'est verset 13, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ces lois que je te prescris aujourd'hui afin que tu sois heureux. Mais ça, bon Dieu, besoin de nous, oui. Mais qui ça l'Éternel besoin de peuple? Il a besoin pour nous observer commandements, les lois que li ban nou yo, et lois que bon Dieu li te écrit à men li bay Moïse pour Moïse te mette dans l'oche. C'est comment nous besoin pour nous obéir commandement ça yo que bon Dieu ban nous pour nous capable heureux. C'est comme ça que n'a craigne l'Éternel. C'est comme ça que n'a capable heureux. Et nous retournons dans Apocalypse 14 verset 7 toujours. Il dit et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Côté nous joindre parole ça encore. C'est dans Exode 20, verset 8 à 11, qui l'Élie a parlé de ça et de commandement sabbat. C'est là que nous joignons et parole ça qui répétait encore. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour de du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille. Nous connaissons commandement ça déjà. Et puis, là, nous revenons au verset 11, il dit qu'en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Nous, je ne même pas ça répéter dans le message premier ange-là. Parce que il dit, adorer celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Même parole ça est encore répété dans 4e commandement. Car en 6 jours qui moun ça n'a pas adoré, moun ça qui créé toute bagaille ça yo. Moun ça qui créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. C'est là nous a adoré l'Éternel. L'Éternel qui baille les 10 commandements, l'Éternel qui baille commandement sabbat que pi fò moun yo rejeté, pi fò moun ki rele tèt yo chrétien, toute l'église ki rele tèt yo l'église de Dieu, l'église chrétienne yo rejeté commandement ça. Et pourtant dans Apocalypse 14 verset 7, li di nou pour nous adorer celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Lè que ou ap gade les 10 commandements de Dieu, lè que ou ap gade le sabbat de l'Éternel, eh bien ou ap adorer lui-même qui créé le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. Lè que ou gen la crainte de Dieu, ou ap gade les commandements de Dieu. C'était yon nan gros message. En 1844 pour nous, c'est yon nan bel message que nous jwenn nan Apocalypse 14 pour nous craindre bon Dieu, pour nous garder commandement li yo. Tout commandement li yo, pas juste quelques et puis nous quitter quelques graines. Li continue pour dire les commandements et l'un des jalons qui accompagnait ce message, ce fut la révélation du temple de Dieu aperçu dans les cieux par son peuple fidèle à la vérité et de l'arche contenant la loi de Dieu. Yon nan mok, yon nan gros signe, yon nan gros vérité, c'est que peuple bon Dieu a yo wè le temple de Dieu dans le ciel avec l'arche de l'alliance. Qui ça qui dans l'arche?
nous te lili dans Deutéronome, qui ça qui dans l'ange de l'alliance, c'est les 10 commandements qui dans l'ange de l'alliance. Et puis il dit la lumière du sabbat du 4e commandement fit jaillir ses rayons puissants sur le chemin des transgresseurs de la loi de Dieu. Commandement bon Dieu yo là pour yo capable guider nous. C'est lumière que yo est pour nous capable heureux, pour nous capable marcher dans la lumière, pour nous connaître côté n'a mettre pied nous. Et 4e commandement il était plus brillant parce que tout l'autre commandement yo gon lumière, gien des rayons puissants qui sorti dans lumière, dans 4e commandement ça pour éclairer pas pécheur yo. Si que nous avons rejeté commandement bon Dieu, nous pourrons marcher dans fait noir. Nous besoin pour nous kembe tout commandement bon Dieu parce que sous transgresser youn ou transgresser tout l'autre yo. Nous besoin pour nous garder tout commandement bon Dieu. C'est là ce que doit tout homme craint Dieu et observe ses commandements. Et puis il dit la nature mortelle des réprouvés est l'un de ses anciens jalons. Tout monde tout réprouvé, tout méchant, eh bien yo gen pour yo périr, tout monde qui a désobéi avec commandement bon Dieu, yo tande vérité, yo tande avertissement yo et puis yo continue à rejeter commandement bon Dieu, eh bien pas ka gagner la vie éternelle pour yo parce que yo rejeté la parole de Dieu. Commandement bon Dieu yo là pour capable guider nous, pour capable conduire nous, pour montrer nous comment pour nous vivre, comment pour nous faire volonté bon Dieu. Si n'a pour rejeter commandement bon Dieu continuellement, bon Dieu a pété voyer lumière pour nous. Nous pas accepter lumière, nous rejeter, nous choisir ça nous voulons, nous quitter ça nous pas voulons. Eh bien, frères et sœurs, pas gagner la vie éternelle pour nous-mêmes. Parce que tout le monde doit craindre bon Dieu et pour observer le commandement bon Dieu. En 1844, il y a un pile événement. Il y a un pile vérité que vous pas connaissez et que bon Dieu a révélé à vous-mêmes. Et vérité, ça, yo pa jamais changé. Y a campé éternellement. C'est des jalons bibliques que yo yé. C'est des bases, c'est des vérités fondamentales que yo yé qui pa jamais effacer, qui pa jamais abolir même si Satan t'a fait tout ça le capable pour t'a retirer dans pensée peuple bon Dieu. Pour t'a écraser vérité ça yo, li pa capable parce que vérité a c'est lui-même qui pour triompher. Commandement bon Dieu, yo là et a campé éternellement. Que bon Dieu aide nous non seulement pour nous garder commandement li aux gens que nous devons garder, pour nous observer tout commandement bon Dieu, pour nous gagner la crainte pour lui, pour nous purifier nous, pour nous sanctifier nous, mais pour nous avertir l'autre jour pour nous faire de même, pour nous préparer pour la venue de Jésus, pour nous abandonner toute mauvaise voie, pour nous venir faire partie de peuple bon Dieu qui a gardé les commandements de Dieu et qui gagne la foi de Jésus. C'était la vigile pour matin, à nous prier. Seigneur, nous disons merci pour grâce, pour bonté. Merci pour toute vérité qu'on bail peuple, pour tout rayon de lumière, pour faire jaillir sur eux-mêmes, pour capable conduire dans la vérité, pour connaître côté, pour mettre pied. Merci parce que vous révélez secret au petit tout, pas quitter nous dans fait noir. Aidez-nous, Seigneur, vérité, ça, nous recevoir, pour nous accepter, pour nous vivre selon eux-mêmes, pour nous prêcher. Aidez-nous pour nous préparer nous. Fais-nous grâce. Nous prions comme ça au nom de Jésus petit tout. Amen.